Hello, bitch. It is Molitaire for the Molitaire Aventure. And it is a new episode. Ok, pas du tout. Bonjour, hein, voilà. Donc, okay, je voulais faire une intro un peu pimp. Voilà, écoutez. Donc, on repart de cet arbre pour cet épisode 4. Yeah, on va sauter après. Hein. Alors, avant de commencer l'épisode en elle-même qui va être orienté minage, je vais vous parler. Alors, primo, les lacs de la dernière fois, d'ailleurs, on voit le village d'ici. Eh bien, c'était très simple. Oui, il n'y en a plus du tout, hein, donc je casse un truc. C'est pas grave, pour les feuilles là. Voilà. C'était dû au tic speed, parce que, évidemment, comme je suis quelqu'un de doué, eh bien, j'avais oublié de, je l'avais laissé pendant l'épisode, et du coup, bah, ça a fait tout laguer, parce qu'évidemment, ça actualise tous les blocs de la map, hein. Ça fait pousser plus vite tout ça, ça actualise tous les blocs et ça fait la guerre en fait. C'était le problème, voilà. Donc ça venait du tic speed, donc rien de grave pour la map. Et voilà, donc on va pouvoir, eh bien, je pense, sauter. Adieu, monde cruel! Ah voilà. On va se retrouver pour du minage, je crois pas que j'avais autre chose à vous dire. Ouais, on va éliminer aujourd'hui, simplement. Allez, on se retrouve dès que j'aurai une glotte, Et re les amis. Alors, ce que vous ne saurez, enfin si je vais vous le dire, donc vous le saurez, mais c'est que ça fait plusieurs jours que j'ai filmé la première partie de l'épisode. Alors, pourquoi je l'ai filmé avant? Parce que vous le verrez dans le prochain épisode, on va s'attaquer à quelque chose de très grand, la maison. Alors, c'est pour ça que je fais aussi du minage, déjà c'est un peu pour vous parler, parce qu'il faut miner déjà, parce qu'on n'a pas grand chose. Et puis donc le prochain épisode, le prochain épisode ce sera pas la maison, ce sera la recherche des matériaux de la maison. En tout cas, puis là bah, miner, mais ça fait plusieurs jours que j'ai fait l'autre partie, j'ai déjà designé la maison en créatif de mon côté, et puis il nous reste, mais je ferai quelques modifs quand même quand on la construira de notre part, mais j'ai des idées. J'espère que c'est une grande grotte par contre, parce que j'ai eu des gros soucis avec les grottes. Il n'y a pas besoin de choses, hein. En plus, on voit rien. Hein. Je vais peut-être enlever le shader hein, pour les grottes. Parce qu'en fait, on n'y voit rien. Je l'ai remis juste avant de commencer, mais en fait, c'est complètement stupide. D'ailleurs, c'est celui-là, hein, pour ceux que ça intéresse. J'en ai énormément des shaders. On va espérer que ça fasse pas tout bugger. Attention, 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 attention. Ça va bugger, hein. Ah non, ça a pas bugué. Ok. Même pas besoin de couper le record, c'est bon, ça n'a pas bugué. D'ailleurs, attendez, juste... Oui, je suis en normal, c'est bien. Non, j'ai pas mis en paisible, c'est bon. Aïe. Ah, un salaud. Puis bon, on va essayer de miner, on va essayer de trouver du diamant aussi, ce serait intéressant, n'est-ce pas? Alors oui, pourquoi j'ai beaucoup de niveaux? Parce que j'ai déjà miné de mon côté. Et je vous montrerai ce que j'ai trouvé la prochaine fois. C'est pour ça que j'ai pas mal de niveaux. J'ai déjà miné, mais j'ai pas eu grand chose, j'ai même pas eu de gems, donc voilà, c'est pour ça que je repars avec du fer, de toute façon. Puis même si j'en avais trouvé, du diamant, je serais quand même reparti avec du fer. Pour dire voilà, quoi, c'est le premier épisode de minage. Mais non, je n'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé grand chose, en vrai, j'ai eu du mal avec les grottes, je suis tombé sur des petites grottes de merde, et quand j'en ai enfin trouvé une grande, Et ben, il n'y avait pas grand chose de... Voilà. Donc ouais, j'ai déjà un petit peu miné pour avancer un petit peu. Et puis bah... On va faire cet épisode tranquillement. Puis la prochaine fois, on va essayer de trouver un biome Mesa. Parce que j'ai besoin d'argile. Alors au niveau de la maison, je peux déjà vous en parler. Je voudrais faire quelque chose d'assez rustique. Au niveau du toit. Je vous montrerai quelques petites astuces de construction pour faire ça. Pareil pour la maison, on va essayer de casser le carré. J'en parlerai mieux dans l'épisode. Alors, encore une fois sur Minecraft, je sais que la construction ça n'intéresse pas tout le monde. Le but c'est qu'il y ait un peu de tout sur cette série, qu'il y ait du fight, qu'il y ait de l'aventure, de la construction. Donc moi je vais me faire plaisir avant tout, puis donc il y aura de la construction. Voilà. En sachant que aussi à mon retour, parce que à l'heure où je tourne ça,
ce passage en mine. Demain, je pars en stage pendant 6 semaines. Donc, dans 6 semaines, donc vers mi-février, normalement, on tournera avec Demon Slash un épisode à deux. Pour commencer, eh bien, le village des abonnés. Voilà, je le commencerai avec Demon Slash. Comme ça, il passera sur la série. Enfin, il passe. Priorité à lui pour passer. Et puis, alors, faudra voir où est-ce qu'on en est. Il passera en premier, mais je ferai sûrement une vidéo avec quand même un chiffre d'épisode, mais pour tout bien vous expliquer, pour les inscriptions et tout, pour ceux qui veulent passer. Alors, pour les plus anciens, je sais pas si, enfin, c'était sur son ancienne chaîne, Demon Slash, la vraie chaîne gaming, et depuis, bah, on est passé à deux, hein, pour les nouveaux surtout. Je vous le dis. On a déjà fait ça avec des abonnés d'ailleurs, j'en ai encore un ou deux sur sur Steam d'ailleurs, donc c'est quelque chose qu'on a déjà fait, jouer avec des abonnés, donc ça s'était très bien passé, puis moi bah j'ai envie de retenter l'expérience sur une vraie série quoi, parce qu'on est à l'époque c'était que du mini-jeu, donc c'était pas quelque chose de très important, mais c'était vraiment fun quoi. On est tombé sur des gens super sympas, même si je crois pas qu'on était en vocal, peut-être avec une ou deux personnes, mais peut-être pas en vocal. Donc bah moi c'est quelque chose que j'ai envie de retenter parce que c'était super cool, et puis bah voilà, puis évidemment en vocal avec vous, avec Skype ou avec Steam, ou j'ai mon serveur TS si besoin, donc voilà. Puis éventuellement Steam comme on fait d'habitude. C'est tout aussi simple hein. Pour nous en tout cas c'est ce qu'on fait toujours et ça marche très bien Steam. Même si c'est. Enfin il y en a qui diront oui c'est pas très optimisé, c'est pas un vrai truc pour vocal, bah je suis d'accord, mais écoutez, on a pas de problème. On n'a jamais eu de problème. Contrairement à Skype où les seules fois qu'on a testé on a eu des problèmes, mais ça c'est parce qu'on n'est pas doué hein, c'est pas Skype. Mais ouais, on a jamais eu de problème avec Steam. Donc on va descendre peut-être, on explore tranquille hein, je sais que je pourrais remonter en haut si besoin. Par contre est-ce que tu vas m'enchaîner si je sors pas le bouclier. Il y a peut-être un spawner hein. Arrêtez. Malotru. Alors il y a plein de trucs dans ces grottes, c'est bien, il nous faut du fer hein, clairement, on va en avoir besoin. L'armure, peut-être que je l'ai fait dans les... Enfin, est-ce que j'en avais fait une ou est-ce que je l'ai fait en mine? C'est une bonne question, en tout cas j'ai une armure. Je sais plus vraiment où j'en suis, c'est un petit moment que j'ai pas tourné cette série. J'avais pris pas mal d'avance. Mais en tout cas j'ai une petite armure en fer, ça nous protège quand même. Il le faut bien pour des épisodes comme ça. Plutôt en mine, parce que bon, faut pas oublier que c'est le nouveau système de combat, donc c'est pas forcément le plus évident. Enfin, surtout que... Alors, est-ce que... Non, je pense pas que ça... Faudrait vérifier, mais je pense pas que ça sera sorti. On va le dire dans les vidéos détentes. Si c'est pas sorti, ça ne va pas tarder. On le dira avec Demon Slash qu'on est complètement rouillé en PVP, et enfin, moi c'est à fond, je suis vraiment très, très rouillé, donc voilà, ça n'aide pas non plus niveau combat. C'est quoi à dire, mais c'est vrai que Minecraft, jouer pour jouer, ça fait un petit moment. Après là je joue, hein, évidemment, mais c'est vrai que pour jouer, c'est vrai que ça fait un petit moment quand même. Après j'aime toujours le jeu, y a pas de problème avec ça, mais c'est vrai que pour jouer, c'est un petit moment. Donc ouais, complètement oui sur ce point-là, surtout en PVP, c'est infâme. Je fais vraiment de la merde. Pourtant je suis retombé sur sur des vidéos PVP quand même. En détente, on en a fait pas mal en vrai de détente Minecraft hein, sur parce qu'il y avait les miens de la chaîne actuelle, puis on en avait fait beaucoup sur ces anciennes chaînes. Donc c'est quelque chose de pas nouveau, mais c'est vrai que j'ai fait des kills moins dégueulasses.
Après, c'est normal, c'est aussi la communauté qui change selon les serveurs qui se créent et puis selon les nouvelles possibilités au combat, évidemment. C'est vrai que bon, c'est plus pour moi, c'est plus comme avant, j'ai vraiment plus de mal maintenant. En plus, je suis complètement rouillé. On va le redire, mais dans les vidéos détente, il y a de l'or, c'est bien. On compte faire un FK. Et comme on a dit dans... Je pense qu'on l'a dit, oui. Il me souvient de l'avoir dit. C'est nos cousins qui vont... Parce que lui, il est avec son cousin. Et moi, je devrais être avec le mien normalement, si rien ne change. Mais pour le moment, c'est comme ça. C'est eux qui vont relever le niveau, clairement. Enfin, au niveau des équipes, peut-être pas. Parce que je sais toujours jouer à Minecraft, moi. Mais c'est vrai que dans les combats, je serai plus géré comme avant. Clairement. Voilà. Mais bon, ça va être quand même sympa. J'ai hâte qu'on fasse le FK en vrai. Hop. Donc ça, toutes les merdes là, je vais virer. Je vais garder tout ça pour le moment, les arcs et tout. En sachant que les abonnés, bah oui, il me faut pas mal de fer parce qu'évidemment, faut quand même qu'on vous équipe, les petits abonnés. On va pas vous laisser à poil pour un épisode, même si c'est de la construction, on sait jamais, parce que ça peut être rapidement le bordel d'un jungle. Et pour le village des abonnés, vous savez, j'ai planté des arbres autour de mon arbre. Et ben, je vais les repéter et on construira le village là parce que j'en suis vraiment pas content. Je trouve ça moche, ça ressemble pas du tout à une vraie jungle. L'arbre est cool, mais on va casser les arbres et on construira le village en bas de l'arbre. Ça fera plus joli que les arbres que j'ai fait pousser moi-même, je pense. Donnez-moi votre avis, mais personnellement, bah, je trouve que ça rend pas très bien. Même si j'ai essayé de rajouter du feuillage, je vois vraiment que ça rend pas trop bien. Donc, je pense qu'on construira le village des abonnés juste en bas. Et je pense que ça sera très bien comme ça. Et je ne sais pas à combien de temps on est au passage, et on arrive dans une faille, je crois, c'est plutôt bien. Grande grotte, même si on a clairement pas tout exploré, je prends pas mal de charbon aussi, parce que le charbon c'est toujours la même histoire. Oh, il y en a tellement, je vais pas tout miner. Et puis au bout de 10 vidéos, on va se retrouver à dire ah merde, j'ai plus de charbon. Et c'est ma maladie sur Minecraft. Chacun a un tic, je pense, sur Minecraft. Et moi, clairement, c'est de poser des torches partout. J'aime bien, bien que tout soit bien éclairé. Et ça, si j'ai un tic sur Minecraft, c'est bien ça. Donc, on prend du charbonneau. Et on va descendre. Attention à pas se prendre une flèche perdue. Par contre là, ça serait un petit peu con. Diamant! Qu'est-ce que je vous ai raconté tout à l'heure? J'avais pas trouvé de diamant. Si, en fait, j'en ai trouvé du diamant, il me semble. Je suis en train de me demander. Je sais plus si j'en ai trouvé. Je crois que si, en fait. On verra si on a le succès ou pas. Mais je crois que j'en avais trouvé, en fait, il me semble. Je sais plus. Est-ce que je sais plus si j'ai trouvé du diamant ou pas, mais en tout cas on en a trouvé, c'est cool. Parce que du coup j'avais tout de mon côté comme je vous ai dit. Oui, peut-être que j'en ai trouvé, je sais plus. En vrai ça fait quelques semaines que j'ai tourné la première partie de cet épisode où je me suis jeté de l'arbre. Et entre les épisodes de... Et entre quand j'ai joué en off pour miner. Ça fait... Il y a pas mal de décalage donc je sais pas vraiment où j'en suis. On verra bien si on a le succès ou pas de toute façon. Je sais plus. Peut-être que je vous montrerai à la fin de cet épisode. Non, je pense quand même que je vous montrerai au début du prochain ce que j'ai. Pareil, les pierres, je garde. Ça va être important parce que, comme je vous ai dit, pour du rustique, pour moi, la pierre, c'est extrêmement important. Tout comme le bois va l'être dans la construction. Alors, voilà. Donc, la pierre, on garde. On va essayer de prendre le maximum de choses. J'espère que le son n'est pas trop fort. Je vais vous le descendre un petit peu. Alors même si j'enregistre pas sur la même piste, du coup j'ai changé ma façon de faire. C'est vrai que j'enregistre plus sur une seule piste avec Fraps. Là j'ai pas, je suis passé sur Audacity. Je m'en servais de temps en temps, mais là je m'en sers quand même plus qu'avant. Après, il y aura des trucs que j'aurais pas besoin de m'en servir. Je pense au prochain let's play que je vais vous faire
sur Nintendo DS, qui sera un Pokémon. Vous aurez, c'est pas du spoil, hein, je l'ai dit dans la vidéo programme 2017 que j'ai tourné juste avant. Donc nous sommes le 2 janvier aujourd'hui, je le crois. Voilà. Et voilà. Ouais, donc ouais, c'est non, c'est pas du spoil, je l'ai dit. Donc là, pour du OBS, voilà, j'ai pas besoin de d'enregistrer forcément avec Audacity, hein, c'est pas. Je peux régler la puissance du micro sur directement dessus, puis y aura moins de problèmes, je pense. Après, on verra si je l'utilise à terme ou pas, Audacity, plus que ça. Mais bon, voilà. Puis ouais, bah c'est un épisode de minage, c'est aussi un épisode blabla, hein, bien sûr. Je pense que vous en doutez, puis. Si plus tard j'ai besoin de vous faire des épisodes blabla pour vous parler sur la série ou sur autre chose sur la chaîne ou quelque chose comme ça, eh ben soyez sûr que ça sera du minage ou autre chose, hein, ou on fera quelque chose à l'extérieur. Où était mon diamant? Je ne sais plus où est mon diamant, là-bas. Non? Oui. Diamant? Oui, il est là-bas, l'humain. Donc ouais, soyez sûr que ça sera du minage. Mais bon, c'est sympa, le minage, ça détend. Pareil, je vais essayer de changer des slows au montage pour 2017, et c'est ce que je me suis dit en regardant le premier épisode de cette série, parce que oui, ça m'arrive de regarder quand même les vidéos. Ça, avant je le faisais tout le temps, maintenant j'ai un peu moins le temps, mais là oui, de temps en temps ça m'arrive. Ce que je vais essayer de faire au montage, c'est de vous mettre plus de vidéos détente pour par exemple ce genre d'épisode où on est en mine ou voilà. Peut-être vous mettre plus de petites vidéos de musique de fond, de musique d'ambiance. Ça peut être très sympa, je pense. Alors, on va pas en abuser. J'ai pas de problème. Je vais vous dire ce que j'ai demain. J'ai pas de problème pour les vidéos détente, mais j'ai plus de mal à en mettre pour les séries. Faut savoir que monsieur voulait en mettre sur Rome. Sur le spécial Total War. Je ne dénonce pas. Je vous explique mon point de vue. Chacun se défend. Au final, il n'y a pas une musique. Je trouve con de mettre une musique sur une série comme par exemple comme peut l'être Rome, vu que c'est un let's play, vu que le jeu a ses propres musiques et ils sont aussi importants que le reste pour évidemment l'ambiance du jeu. Donc après chacun évidemment son point de vue. Mais par contre pour des épisodes comme ça tranquille ou n'importe quel Minecraft, hein, je pense que Minecraft ça s'y apparente très bien à mettre une musique de fond. Même si c'est une série comme je suis en train de le faire actuellement. Même si c'est une série, je précise bien. Pour moi, là, ça me dérange pas et c'est même pour recommander, j'ai envie de vous dire. C'est un peu mieux quand même. Parce que bon, Minecraft, bon, voilà quoi, c'est. Minecraft, c'est Minecraft. Donc oui, je pense que Minecraft, ça paraît mieux qu'une série comme aurait pu l'être Total War 2. Rome 2. Voilà, pour ceux qui suivent, hein. Donc ouais, il y a pas de musique de fond, et je pense que c'est bien mieux comme ça, surtout au niveau des batailles, parce qu'ils changent toutes les musiques, donc c'est là qu'il vaut mieux une musique classique sur un épisode de baston. Il est pas stupide à ce point-là, mais vous voyez, c'est pour donner un exemple, ça serait un peu bizarre, quoi. Donc je pense que ça s'y apparente très bien. Puis ouais, je pense que cette série, c'est aussi pour prendre le diamant, on va voir tout de suite son achievement. Non, on n'a pas acheté, donc oui, j'en avais récupéré. Bah, tant mieux. Je m'en souviens pas, mais j'en avais récupéré. Donc ouais, bah, je pense que ce genre de série, ça s'y apparente mieux. Puis ouais, bah, comptez sur moi pour relancer des petits débats de temps en temps. Pour ceux qui, évidemment, que les épisodes blabla, ça intéresse, ben, voilà. Encore une fois, je ne dénonce pas les passages. D'ailleurs, coucou à toi, parce que je sais que tu regarderas cette vidéo. Oui, c'est pour vous expliquer. Donc oui, je pense que je vais faire des modifications au niveau de ma façon de faire en montage. Après, évidemment, chacun fait ses vidéos comme il veut. J'ai envie aussi de, peut-être après 2 ans, puis on arrive aux 3 ans, hein, on est dans la 3e année quand même, là, faut le dire. Et elle va arriver vite, la vidéo des 3 ans, hein, c'est le 24 mars. Dans 5 mois, je dis oui, dans 5 mois, je crois, au pire, c'est pas grave, si c'est pas dans 5 mois. Janvier, février, mars, avril, mai. Janvier, février, mars. Non, c'est le 24 mai, donc oui, 5 mois. C'est pas en mars.
Non, c'est le 24 mai, le 24 mars. Oui, d'ailleurs, je m'étais trompé sur le sur notre Google Sheet avec le lundi, parce que c'est ce qui nous sert pour les plannings. D'ailleurs, je me suis trompé que j'avais mis le 24 mars, c'est pour ça que je me trompais. Mais c'est bien le 24 mai, hein, l'anniversaire. Je ne compte pas le jour où on s'est où la chaîne est passée à 2. L'anniversaire de la chaîne, c'est quand même le 24 mars, et je pense pas que c'est nécessaire de bouger, quoi. Même si oui, ok, ça fait un qu'on est à 2 sur la chaîne, mais pareil, ça va arriver vite aussi, hein. Le temps passe très vite. Mais ouais, je pense que quand même que l'anniversaire bougera pas. C'est symbolique quand même, le 24 mars. Même si en vrai, je crois que ma première vidéo, je crois que c'est le 15 juillet, et il me semble qu'on s'est réunis le 10 juillet, donc vous voyez que ça a coloré un peu plus. Mais bon, c'est 24 mars quand même, c'est là où on a commencé à en parler. On n'était même pas sur YouTube qu'avec des bonnes sages. Pour l'anecdote, on commençait déjà à parler des let's play sur les 4 Dead et Portal 2. Portal 2, ça s'est fait. Ça s'est fait. Enfin, les deux se sont faits en fait. Les 4 Dead, on l'a fait deux fois. Et Portal 2, on l'a fait deux fois. Sauf que les 4 Dead étaient seulement sur sa chaîne. Et Portal 2, on avait fait la deuxième fois en coop. Et les 4 Dead, sachez qu'on va vous le refaire. Une troisième fois, c'est un jeu vraiment qu'on adore, qui n'est plus disponible parce qu'il était sur ses anciennes chaînes. Bah, comptez sur nous pour vous le refaire, ce jeu. Alors, sachez que, je sais pas quand on va vous le refaire. Peut-être après Rome 2, il me semble qu'on en avait parlé. Après, faudra reparler avec lui, hein. Mais, ouais. Moi, je me dis que, pourquoi pas. Je sais pas à combien de minutes on est. Il y a une sorcière, mais je pense qu'on va bientôt s'arrêter là parce que je blablate, mais et je ne sais pas où on est. On a trouvé pas mal de choses. Et puis, a priori, il y avait des choses en haut quand même. Donc, bah écoutez, cet épisode me paraît pas mal. Mais je sais pas combien de minutes on est. Voilà. Attendez, j'ai peut-être le temps sur. Ah oui, ok, on a dépassé les 20 minutes. On vient de dépasser les 20 minutes. À peu près 21 minutes là, mais plus l'autre partie. Ça fera un bon épisode. Bah du coup, on va s'arrêter là, les amis. Je pense que on sera tous d'accord. On va juste se faire les messieurs là. Tu peux me faire un CD, petit? Non, pas du tout. Je pensais qu'il me ferait un CD, mais non. Le mec m'a pissé dessus. Tel un squelette pisseur sur les gens. Voilà. C'était la blague du jour. Les blagues d'en 2017 seront toujours présentes. Sachez-le. Voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter de dire des conneries. Merci à vous, en tout cas, d'avoir, eh bien, regardé cet épisode, ya. Je vous donne rendez-vous à la prochaine, où on va essayer de trouver un biome. Mais ça. Salut à vous, les amis. C'était Monétaire. Bye, tout le monde.